Salut tout le monde, c'est Mister Pico, j'espère que vous allez bien et où on se retrouve sur la map de la nouvelle série qui va arriver et que j'ai pas de monde. Non, non, je vous permettrai pas de dire ça, c'est pas pour la faire, non justement, car il y a personne, on est tout seul, donc voilà. Donc tout commencera ici, dans ce petit, une petite visite, dans cette petite pièce, donc il y a quelque chose à l'étage, voilà donc. Les règles de base au fond que je vous laisserai pas voir, mettez pause, mais normalement vous les voyez pas. Je suis malin. Vous voyez, c'est moi qui a fait la petite maison. Donc c'est un style un peu comme ça que je voudrais faire sur la pique aventure. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez avec les blocs. Bon bah c'est pas ces blocs, j'ai tout fait en créa, c'est pour ça que je suis en créatif. Donc je vous montre, j'ai rien dans l'inventaire à part la petite carte. Tout simplement parce que c'était plus facile pour moi de faire la petite maison. Donc je vais vous la montrer de l'extérieur après. C'était plus facile pour moi de faire la petite maison. Donc ça sera là où tout commence. D'ailleurs j'ai oublié l'étoile d'araignée là. Vous voyez, j'oublie déjà des choses. Donc c'est bien parce que ça me permet de refaire un tour de ce qui manque ou pas. Donc les toiles d'araignée, elles sont ici. Voilà. Hop. Ici, ici. Voilà. Sinon ça va faire de trop. Ouais, là, vous voyez, ça fait trop. Bon, je viens de casser un bloc de quartz. C'est de votre faute. Vous me devez le bloc de quartz. Je vais vous laisser farmer les blocs de quartz et m'en donner un. Non, je rigole. Donc, je sais pas si... Ça fait quoi? Voilà, ça fait déjà plus joli. Et donc, ici, la toile d'araignée, visiblement, elle est méritée. Voilà, donc, c'est bien. Ça fait un mois... J'ai mis au moins 3 semaines à faire la petite maison. Donc j'espère que la map vous plaît sincèrement. Donc la map c'est une génération auto, j'ai rien touché de la map. Parce que je me dis si je touche quelque chose de la map, ça va pas le faire, ça rendra moins joli. Donc je touche pas à la map et là je viens de casser un bloc qu'il fallait pas que je casse. Ah là 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 là. Bon je referai ça de l'extérieur. Du coup on va remettre nos blocs. Ils sont où? Dans les blocs, mais lesquels? Ici, peut-être. Non. Ici, voilà. Hop. Donc, vous voyez un peu là, cette map normale. Génération auto, bien évidemment, parce que je fais rien sans auto. Donc, au-dessus, voilà les règles. Donc, je fais exprès de pas m'approcher pour pas vous voyez. Donc, petite maison sympathique. Je me suis mis dans un coin de la map qui faisait pas trop le. Pas vraiment le centre, parce que voici la map. Donc vous voyez il y a des petits points rouges, mais c'est normal, il y a un point rouge normalement qui est ici, c'est parce qu'il y a un beacon. Donc ça doit être... J'ai mis le beacon dessus pour qu'on repère la petite maison. Donc voilà les coordonnées de la maison, prenez-les en screen, hein, ça servira. Non franchement ils serviront à rien les données de la maison. Parce que... Donc j'ai exploré un petit peu, mais j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. De toute façon ce que je compte faire en temps, vous voyez il y a 4 portes. Donc les 4 portes mènent à des lieux différents. Je vais pas trop vous les faire montrer parce que ça va vous spoiler un peu la map. Donc voilà. Il y a des coffres cachés pour une équipe. En tout, on sera 2 équipes. Pour ceux qui auraient compris. Donc équipe orange. Donc des panneaux pour discuter au cas où ceux qui... Parce que je couperai pour moi le chat. Pour pouvoir parler avec vous. Ou voilà, ça vous fait que vous dépendez. Ou aussi, je les ai mis parce que... Voilà, vous voyez qu'il y a un livre. Pour finir, si vous êtes vraiment de l'équipe ou vous êtes dans une autre. En fait, c'est des équipes troubles. Donc normalement, vous avez trouvé hein, ce que c'était. Donc il y a 2 équipes, orange et rose. Et rouge. Qui sont basées par les petits colorants. Si vous êtes le colorant rouge, c'est que vous êtes de l'équipe rouge. Donc après, je sais pas trop comment faire. Donc, de base, on prendra le contenu des coffres. Tout le monde se passera un coffre. Moi, je prendrai bien sûr si on est 7. Parce que c'est moi qui ai fait la map, je sais ce qu'il y a dans les coffres, même si je me souviens plus du contenu des livres, parce que je les ai mis au hasard. Mais j'ai essayé de faire en sorte que voilà, qu'il y ait un rouge et un orange qui se retrouvent ensemble, et un autre rouge et un autre orange qui se retrouvent ensemble pour avoir 4 équipes à la fin. Pour ça, 4 portes. Donc après, je sais pas si en fait, vous allez choisir une porte que vous voulez. Après, vous vous décidez entre vous. Moi, j'aurai droit dessus. Si je suis équipe orange, les oranges, s'ils me disent, on prend la porte. Je veux prendre la porte avec le casque doré. Donc les casques, bien sûr, pas le droit de les prendre. Hein. Non, non. Donc je veux prendre le casque avec la porte dorée. On y va.
Moi, j'aurais pas le droit de dire, ah, mais vous savez, j'ai pas envie, parce que la map avec le cas, je préfère celle-là, il y a plus de choses. Je vous dis totalement au hasard, je sais même plus ce qu'il y a derrière, alors. Sauf que, manque de peau, j'avais pas le droit de décider. Si mon équipe a dit, on prend le casque rond, le casque doré, je serais obligé de les suivre. Parce que je connais déjà la map, donc j'aurais droit à juste de me fermer ma gueule. Sauf que j'ai pas été en grotte, fouiller, voir ce qu'il y avait comme. Voilà, j'ai juste fait un petit peu le détour, ce qu'il y avait. Mais sans plus. Je sais pas trop où est située la canne à sucre, ni rien. Donc après, sinon, j'avais un deuxième choix. C'est que le coffre qui est ici, avec le coffre qui est ici, ils partent dans la même direction. Même si c'est pas de la même équipe. Mais je trouve ça un peu con parce que je me dis, ouais, pas de la même équipe. Donc les. Ceux qui sont d'une autre équipe ne sont pas visibles. Attention. Après, je me demande si je vais pas rajouter plutôt un autre colorant. Ouais, bah c'est trop tard. Parce que, en fait, ceux qui sont pas de l'équipe, ils sont des traîtres, entre guillemets, ont le droit à un coffre bonus. Et j'aurais dû mettre de la laine dedans pour dire, voilà, je suis telle couleur. En fait, je suis le traître. Mais je sais pas. Je savais pas du coup. Voilà, si vous êtes un traître, bah j'irai vite fait dans haute. Vous voyez, j'ai tout. J'ai le cycle jour et nuit qui est désactivé. Conservation, voilà. Apparition des monstres, comme d'habitude. La progression des feux, l'explosion de TNT. J'ai jour défini ou nuit. Ou créatif. Donc là, je suis en créatif. Du coup, on sera en survie. Et je me mettrai en créatif pour pouvoir donner vos laines si vous et une pomme d'or. Peut-être, parce que c'est vrai que j'ai pas mis de pomme d'or, mais ça c'est vraiment pourquoi pas ou pas. Après ça, tout verra avec les gens. C'est pour ça que j'ai besoin de plusieurs personnes pour mettre vraiment les règles, la définie et de vous. Donc voilà, ciel dégagé. Donc après la météo, elle est définie selon. Vous voyez, il y a les critères là, butin des monstres, butin des blocs, épique, etc. Donc je sais pas si. Donc vous serez pas un joueur de confiance, parce que je sais qu'il y a des petits malins qui vont se dire ouais on va regarder ce qu'il y a, etc. Donc ça je dis non. Du coup vous serez en non confiance tout le début. Tant que j'expliquerai tout ça. Après je vous dirai vous choisirez un coffre. Donc si tout le monde voudrait choisir un coffre, sauf moi, j'attendrai que tout le monde ait choisi son coffre. Donc vous pourrez pas les ouvrir, donc vous pourrez pas voir le contenu. Moi j'attendrai patiemment que tout le monde ait dit tiens moi je vais prendre celui-là, je le sens bien, celui-là, celui-là, je le sens bien, je le sens bien. Et moi je serai obligé de prendre le dernier qui reste. Parce que je connais déjà ce qu'il y a. Donc c'est pour ça, pour l'écran partagé, c'est assez compliqué. Du moment où que. Voilà quoi, je peux pas me permettre de faire un écran partagé puis savoir ce qu'il prend ou savoir où qu'ils vont, où qu'ils sont, leurs coordonnées, etc. Donc après le seul problème c'est qu'on aura la carte, donc on saura où est l'équipe adverse. Donc vous voyez j'ai pas tellement cherché. Vous voyez au bout de la carte, c'était le temps pour cacher les coffres, et puis voilà. Les coffres qui sont pas très loin non plus, mais vous avez les coordonnées dans les livres quand vous avez un coffre bonus, mais les livres, bien sûr, bah, je respecterai toutes les règles, mais on n'aura pas le droit de les ouvrir avant que je l'aurais dit. Donc, ouais, un peu dur si je désactive le chat, mais je pense que je vais le réactiver. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que les succès, vous voyez, que de ma série Pic Adventure, ils sont tous ici. Et oui, ils sont tous ici. Donc ce qui est bien aussi, c'est les ces trucs de base que je pourrais pas faire pour différentes raisons. On les débloquera. Voilà. Donc toutes les règles seront expliquées au début, vous inquiétez pas. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va voir un peu la maison de l'extérieur, bien évidemment. Mais ce qui est bien, je vais faire une ellipse pour pas vous montrer de quelle porte je sors. Et bien sûr, vous retrouvez tout de suite dehors. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve avec mon beau petit skin. Donc ouais, je viens de le changer, j'avais celui de Doctor Who. Qu'est-ce que tu viens faire le creeper? Ouh là 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 là, un creeper. Tant pis. Donc j'avais le skin de Doctor Who et on se retrouve avec ce skin devant ma maison. Donc vous voyez le beacon au-dessus. Donc on va repasser en normal. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vraiment vous voulez l'avoir en. En même temps, ça m'a permis de faire un design. Donc je pense, ouais, c'est ça que je compte faire, mais en plus grand. Avec plus de pièces, etc. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voici la maison. Donc là, le beacon qui sort. J'essaie de faire un truc naturel comme si c'était de la fumée. Donc j'ai fait une petite cheminée.
C'est facile, en fait, le beacon, je l'ai mis sur des blocs de diamant, donc je compte sur vous pour pas les miner. Et pour les couvrir, pour pas que ça casse de trop, j'ai mis des petits trucs comme ça, limite fenêtre. Et bien sûr, j'ai mis... Ah, j'arrive pas à voler. Donc, des escaliers là. Là, c'est que des escaliers. Puis des escaliers à l'envers au-dessus. Donc, je trouve que ça rend super bien. Donc, ça, c'est le toit. J'ai mis des blocs pour l'éclairage, etc. Ça, c'est les portes du côté. Donc, j'ai essayé de faire un minimum de trucs. Mais bon, il y a des trucs à supprimer. Ça, je pourrais l'enlever sur le display. Ça ne servira à rien. Et puis, on n'aura peut-être qu'une porte. Donc, sur la porte principale, je ferai ça là. Je suis pas très architecture, mais là j'en suis plutôt fier. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi mon coup. Donc vous voyez, il y a des failles dès le début, etc. Tout. Après, il n'y a pas de séparation. Une fois qu'on prend les portes, mais je compte partir dans une direction et puis on va se perdre et puis on va se perdre de vue entre les joueurs. Donc c'est ça le but. Donc vous voyez, je trouve que j'en suis fier. En fait, j'avais pris un petit bout de terre. Je me suis dit, je vais faire de comme ça. Hop, j'ai posé mes premiers piliers et puis voilà, c'est parti quoi. Et vous voyez avec les blocs. Donc après, il y avait plein de trucs que ça j'ai rajouté après. En fait, ça n'y était pas. Je me dis, ouais, ça rend plutôt bien. Ça casse un peu le truc. Donc là, vous voyez que c'est que des blocs. Mais pour casser, parce que sinon, ça faisait trop de blocs, je trouvais, de quartz. Du coup, au milieu, j'ai intercalé entre les trucs des blocs de quartz. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai pas fait. J'ai mis un bloc directement. Je trouve ça sympa. Ben, si vous voulez, en même temps, je pourrais vous refaire la construction de la maison pendant la vidéo, pendant mon let's play. Donc, ça pourrait être intéressant. Comme ça, vous savez comment je l'ai construit. Ben, pilier par pilier. Mais bien sûr, je l'ai fait en créatif. Que là, je vais le faire en survie. Du coup, j'irai farmer les blocs d'argile pour faire cuire, pour avoir de la brique. Bloc de bain de ça, il faut que je trouve beaucoup, beaucoup de guardian ou que j'aille détruire un temple. Et puis, pareil pour les piliers là. Le quartz, etc. Et mais ce pillage, je sais pas comment on les fait, je sais que c'est avec du quartz. Mais je sais pas comment on les fait exactement. Donc voilà, la petite maison, ça sera le QG en fait. Je voulais faire un truc voilà qui n'était pas de naturel, qui cassait un peu le truc, qui faisait joli. Donc j'ai choisi ce petit biome qui datait un petit peu au milieu, mais en fait il date pas trop au milieu. Hop, je viens de montrer beaucoup trop de choses de la map. Donc vous voyez un peu la map, c'est une map génération naturelle. Donc il y a des montagnes, il y a des... truc et j'ai rien touché là où on voit un petit peu des trucs que je voulais pas que vous voyez mais bon voilà donc vous voyez les escaliers là en intercalaire pour que ça fasse un minimum naturel là ça se combine j'aime pas trop mais en fait quand on regarde de côté on se dit ouais ça passe c'est pas si moche donc là après je sais pas que j'aurais pu rajouter des trucs pour cacher des escaliers ou des bidules comme ça ou même remettre des blocs quoi ou vous voyez mettre des blocs peut-être. Vous voyez, ça fait déjà peut-être plus. Mais bon, je préfère laisser comme ça. Je trouve ça joli. Ou même là, mettre des blocs de quartz, ça pourrait casser un petit peu. Ouais, ça fait joli. Mais je préfère comme je l'ai faite. Donc n'hésitez pas à me dire. Après, c'est à vous de faire votre sauce. Moi, je l'aime bien comme ça, ma maison. Je la trouve sympathique. Vous voyez un peu le toit. Donc, j'ai fait. Pour le toit, je vous explique. Là, c'est du rajout. J'ai rajouté à la fin. Mais sinon, j'ai fait un toit normal avec une plaque d'escalier. Une plaque après juste en dessous là on le voit pas mais on le voyait à l'intérieur on voyait j'avais mis des dalles puis sur les dalles j'ai reposé les escaliers et ainsi de suite et du coup ça m'a donné ça là on le voit plus vous voyez on voit qu'on a posé les dalles parce qu'en fait j'aurais dû mettre les escaliers ici mais en fait je les ai décalés d'un cran exprès pour que ça fasse un petit peu plus design, du coup ça fait des reliefs comme ça, mais je trouve sympa parce que quand on est de haut, vous voyez, on les voit pas trop et je trouve que ça va bien comme ça va. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Et franchement, j'aime bien, je trouve qu'elle est bien foutue. J'ai mis du temps à le faire donc j'en suis plutôt fier. C'est pour ça que je voudrais vous proposer la série, mais oui, parce qu'il y a un mais. Pour ça, il faut des participants. Mais les participants, je n'en ai pas. Donc, vous voyez, je fais des rajouts. Hein. Vous m'en voudriez pas. Vous m'en voudrez pas. Je fais des rajouts. Ah ouais, c'est vrai. Ah, mince. C'est vrai que j'avais mis une dalle ici. Voilà. Et du coup, là, on va remettre un escalier. C'est ces blocs que je vais casser d'en haut, en fait, je crois. J'avais dit, il faut que je... Vous voyez, mais moi, je suis perdu. Donc, au moins, vous voyez pas
quel endroit et de quelle porte, etc. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire et puis vous parler un petit peu de la série. Si ça vous plaît, donc si vous voulez la voir, bah, dites-le moi. Je voudrais vraiment qu'elle se passe parce que j'ai pas mis un temps monstre à faire cette maison pour rien. Bon, de toute façon, je l'aurais pas fait pour rien parce que je vous la verrai sur le. Sur le Let's Play, je vous la referai sur le Let's Play. Sur le. Je sais pas si ça s'appelle un Let's Play après. Peut-être une série. Ah, en tout cas, vous le referez. Non, je veux pas un escalier comme ça, je veux un escalier. Ah, tu commences à me casser les pieds là. Trouve-moi l'escalier tordu là. Voilà, celui-là. Non, bon, bah tant pis, on va laisser comme ça. C'est pas grave. Donc, j'en profite pour casser un petit peu tout là. Bah, c'est pour éviter d'avoir trop de blocs qui se rajoutent. Vous voyez, puis là, ça collait bien au truc. Donc, c'est pour ça. Hop. Ah oui, je sais pourquoi j'avais mis une dalle ici. J'avais mis une dalle pour pas que ça dépasse au toit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ou je m'étais trompé. Je sais plus. Non, je crois que c'était ça. Donc, ça fait déjà plus sympa comme ça. Donc voilà, on se retrouve à l'intérieur de la maison. Donc vous savez pas quelle porte que je vais passer. Et de toute façon, vous savez, même si je passe par celle-là, vous savez pas laquelle que c'est. Et ma. Et c'est ça que je voulais vous faire faire. On va pas vous faire un tour de la map, mais voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez. Allez, on se retrouve dans la maison. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc on est va. Oui, vous voyez que j'ai une porte parce que sans faire exprès, j'ai cassé la porte. Et donc voilà. Donc oui, c'est pas parce que je me retrouve sur le casque doré que là, ce que je vous ai fait voir derrière, c'était la porte par laquelle je suis passé, c'est le casque doré. Et non, je suis peut-être bougé. Mais bon, voilà. De toute façon, vous verrez quand vous sortirez. Je peux pas vous montrer, je voudrais vous montrer comment ça fait quand on sort, mais en fait, vous découvrirez vous-même. Parce que si je vous fais montrer comment on sort, ça gâchera le let's play. Voilà, pas le let's play, mais ça vous gâchera un petit peu la séance de savoir. Donc, après toutes les règles, pas toutes, mais la plupart des grosses, grosses règles sont là. Donc, vous voyez, j'ai pas de signature, Mister Pico. Enfin, vous devez pas voir, mais là. Mais bon. Donc, j'espère que. Vous ferez un accueil monstre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à l'intérieur. Donc j'ai pas trop aménagé, mais je savais qu'il y avait des petits malins, sinon ils iraient se servir de ça. Donc voilà, vous voyez là, même avec plusieurs trucs, là je pourrais faire d'autres pièces. Ils sont là, vous voyez, ils sont que ça serait plus grand, couper un bout comme ça, etc. Faire une porte, passer. Là je pouvais même couper la maison en deux, si je voulais, et puis faire un petit truc là, un petit truc là, un petit truc en haut. Donc voilà, un triple étage. Vrai château fort quoi. Donc moi j'aime bien ma petite baraque, ma petite maison. Donc après ce sera peut-être pas avec ces blocs là, c'est ça le problème, ni avec le quartz, mais peut-être que là ce sera plutôt de la glowstone ou des torches normales. Mais je trouve qu'il y a pas rapport à ça, les torches normales, déjà ça c'est plus design parce que ça morfond. Et puis voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'adore. Donc hop, pourquoi j'enlève la carte, c'est parce que je vais enlever, voilà, au moins je vous le fais devant vous en vidéo. Je n'ai pas de stuff sur moi. Je me looterai pas de stuff parce que je trouve que c'est pas du jeu. Il y aura que moi qui. Donc bien sûr aussi petit aparté. Quand vous si quelqu'un meurt, il aura les privilèges de hôte. Ça veut dire qu'il aura droit de voler. Je lui donnerai le droit de voler, mais il pourra pas casser de blocs, ni poser de blocs, ni etc. Ni passer en créa parce qu'il sera pas en créa, il sera en aventure. Parce que j'ai déjà eu le problème. Pas auparavant, mais une fois, bah, sur mon ancien pseudo, parce que j'ai des gens qui sont dessus, je pourrais les inviter, mais c'était gros gamin en fait, j'ai pas envie. Franchement, j'arrête de jouer parce que je préfère ce pseudo, je suis plus tranquille. Et puis celui-là, c'est vraiment en communication avec vous, les abonnés. Donc voilà. Et donc, j'étais en. Voilà, j'avais organisé un petit truc, un petit UH de bonne famille. Et il y en a un, du coup, j'ai passé en créatif parce qu'il était mort. Et s'amusait à me poser un bloc de diamant comme ça. Pas un bloc, mais vous savez, les trucs de diamant. J'étais en mine, très loin. Il était venu vers moi parce que j'étais celui qui était le plus haut level. Et s'amusait à creuser. Et puis il s'est même amusé à réactiver la régène auto où elle était désactivée. Du coup, j'ai pas. L'autre, il lui restait un cœur. Moi, il me restait qu'un cœur. Mais j'ai joué le jeu. J'avais de la bouffe. Je me régénérais. Et puis il m'avait trouvé parce qu'au lieu de sneaker, bah, j'avais désneaké. Et bim, boum, hop, je suis mort. En peu de temps. Et j'étais dégoûté. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la petite map, de la petite maison, si vous voulez avoir un let's play en construction en let's play. Franchement, ça sera peut-être pas
pareil à 100%, mais je vous montrerai un peu mes talents de création. Dites-moi ce que vous pensez de la maison. Donc, un petit pouce bleu pour la maison, un petit pouce bleu pour la série. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la série, d'un peu de ce que je voulais faire. De un peu l'organisation aussi. N'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est sûr, c'est comme d'habitude. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Faites attention, je vous ai à l'œil. Et surtout, je vous dirais, n'hésitez pas à me demander un ami sur Wii U. Parce qu'on pourra faire des parties ensemble et pas que. Donc, on pourra également parler de la map, de ce qui va pas, ce qui a amélioré. Donc, je vous remets comme ça avec le petit skin. Donc, je le kiffe ce skin. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Franchement, je le kiffe. Donc, c'est le skin de la forêt. Là, je suis en archer. Donc, je suis un pur archer. Non, je rigole. Donc, n'hésitez pas à me demander à un ami si vous voulez que j'active la connexion auto, quoi. Pas la connexion auto, mais de toute façon, le en ligne pour cette map, parce que cette map, quand je l'ai fait, j'étais désactivé en ligne. Et puis j'ai qu'un ami en fait sur ça. Et c'est Ethan de 1975. Donc allez voir sa chaîne. Franchement, il fait du Minecraft, du Pokémon Ruby. C'est super, j'adore. Je kiffe son intro. Super fan de Yoshi, ça se voit à l'intro. C'est un gars super. Il fait aussi des belles maps. Il a fait une map. Une petite map un peu. Pas comme un PVP, un peu comme Pokémon, donc avec des sessions de badges, selon les badges tu gagnes des niveaux, toi, ton joueur, voilà, etc. Et franchement c'est bien fait, mais je sais pas trop comment il a organisé ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. J'espère que vous irez bien. J'espère qu'il sera connecté, comme ça je pourrai vous faire voir. Donc on va se retrouver peu de temps, on va se retrouver un autre jour. Allez, je vous dis bye, restez comme vous êtes génial, abonnez-vous et venez me demander un ami si vous voulez participer avec un petit commentaire. Si vous êtes trop nombreux à vouloir participer, je ferai un tri, c'est sûr, et vous inquiétez pas, la saison d'après ce sera vous, etc. Donc allez, si vous avez aussi une vignette, ce que c'était, mettez-le en commentaire. Allez, je vous laisse, bye tout le monde, vous êtes génial.